Rejoins la performance. Rejoins le réseau. Rejoins le partage. Vous aussi rejoignez Move Africa. Onatel, c'est Move Africa. Souvent, il faut chercher donc à avoir la paix que d'avoir raison. Mesdames, messieurs, bon djouma à toutes et à tous. Nous sommes vendredi, dernier virage de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. À l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec toute la team habillée donc aux couleurs du Faso d'Amfani, expression d'un patriotisme et surtout de l'amour pour notre patrie. Et ce jour est un grand jour puisque nous avons bénéficié de la touche magistrale donc de Maître Pierre Yamiogo qui sera notre invité dans cette émission dans un court moment dans la rubrique Tranche de vie. Aujourd'hui également au menu il y aura Tranche de vie, il y aura également l'œil de la cité avec Zidiara Mikar qui va nous rejoindre plus tard pour le quiz ou le puzzle et Adèle Rwamba pour sa buzz. Mais avant, nous partons recueillir tout de suite le bonjour de Sandrine Konaté et celui de Adèle Rwamba. Sandrine, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la team, qu'est-ce que nous sommes beaux, qu'est-ce que nous sommes magnifiquement habillés avec cette matière qui prend soin de notre peau, cette matière qui prend soin tout simplement de votre élégance. C'est très important, c'est du Faso d'Amfani, labellisé et la tenue est confectionnée, comme tu disais Jackie, par Pierre Yamiogo. J'adore ce que tu portes, j'en suis presque jalouse. Je me demande pourquoi il ne nous a pas fait des tuniques comme ça, qu'on aurait pu porter avec de jolies petites robes qui nous dessinent nos superbes courbes. Alors Maître Pierre, j'espère que depuis votre position, vous avez reçu le message des filles, Sandrine Konaté, Adèle Rwamba, qui trouvent qu'il fallait bien qu'elles soient dans ce genre de tenue. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si je portais cette tenue sans le t-shirt en bas, ça allait être encore top. C'est la tuerie. Avec les plaquettes de chocolat, et ça va danger. Mouvement, les Ali Kitoko. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être top avec les Faso d'Amfani? Ah ouais, tu as vu, non. Mais ça, ce ne serait pas la faute aux Faso d'Amfani parce que bon, avec le bourrelet que tu as sur les côtés, surtout le vin de Gary. Oh, arrêtez ça, les filles, arrêtez ça. Il y a longtemps, je gars. Il y a longtemps, tu gars. Vous allez souffrir dans ma messe. Alors, téléspectateurs, bonjour. Pierre Yamiogo nous a sublimé. Et quand on se sent beau, quand on se sent élégant, quand on se sent bien dans ces matières, on ne peut tout simplement qu'être heureux, positif et aller à la conquête de nos différents objectifs. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bon chemin de croix aux chrétiens, bon carême, également bon vendredi qu'Allah agrée, qu'Allah facilite le vendredi pour les musulmans et que la grâce de Dieu soit sur tous les chrétiens du monde entier. Bon chemin de croix à vous. Donc pour l'apéro, restez juste connectés et le reste, on va vous le concocter. Merci Sandrine Konaté. Tout à l'heure donc avec toi, nous allons aussi conduire cette émission pour le bonheur de nos téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso. Groupe Média Leader, Adèle Rwamba, Maman à la buzz, tout à l'heure donc avec elle. Mais avant, son bonjour pour notre plaisir. Salut Adèle. Salut, j'allais dire... Tu sais, j'ai failli dire salut Macky Sall. Tu as eu la chance de rencontrer Macky Sall alors? Je passe des commentaires. Alors, bonjour Jackie, bonjour Sandrine. C'est vrai. Moi également, je suis jalouse. Est-ce que tu pourras me la prêter après ta veste? Non, pas question. Pas question. Non, pas question. Tu me la prêtes juste? Non, pas question. Alors, oui, ce soir, pour ceux qui souhaiteraient voir cette tenue tout entière, dans un style un peu plus décalé, rendez-vous au festival Afrobeat à Tampu, quand il sera 19h, temps universel, je serai sur la scène. Je vais, tu es là-bas. Ta confiance en toi, non, Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, on tape jamais plutôt. Scène, oui. Je veux dire, toi-même comme ça, ton... Ce que tu ne sais pas, on a dit s'il n'y a personne pour parler de toi. Attendez, c'est Adèle qui est en train de dire bonjour.
bonjour ou bien c'est vous? Adèle, bonjour. Bonjour Adèle. Oui. Non, ça va, non? Ça va? Oui, ça va, le chéri. Alors, ici la terre, hein? On est sur la terre. Ok, super. Alors, bonjour, chers collègues. C'est vrai, nous avons été sublimés ce matin par Maître Pierre Yamouego. Oui. Voilà, ça se sent. Quand on regarde, on sent vraiment la touche d'originalité. On sent joli. Que, voilà, c'est comme Sandrine l'a dit, hein, ça prend vraiment soin de notre peau. Mm-hmm. Et on est vraiment très content, quoi. On est tranquille, no stress, on n'est pas stressé. Ouais. Parce que, voilà, il y a de ces vêtements, quand vous portez, vous êtes stressé parce que déjà, tout de suite et maintenant, vous commencez à suer, à transpirer. Donc, vous stressez parce que vous ne savez pas si votre odeur corporelle gêne certaines personnes, enfin, les personnes qui sont proches autour de vous, on va dire. Et, mais là, on est tranquille, on sait qu'on ne gêne personne, même si... Voilà, on n'était pas dans la climatisation, on sort sous le soleil. Bah oui, ça fait genre, ça protège tellement la peau que, qu'on ne transpire pas vraiment avec du 100% coton. Ouais. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, bien réveillés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est vendredi et pour les catholiques, je pense que c'est le jour où il ne faut pas boire de la bière, enfin ceux qui font le carême, hein, il ne faut pas boire de la bière ni manger de la viande aujourd'hui. Mais à partir de demain, vous pouvez courir encore. Aller sur les points de vente de poulet flambé, de poulet au couscous et autres, hein, et puis de Gabriel, enfin du porc, voilà. Pour ceux qui adorent, voilà, et vous faire tout simplement plaisir. C'est les spectateurs, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour, une citation d'une poupée. Il y a beaucoup qui l'appellent poupée, il y a beaucoup qui l'appellent Lolita, et c'est une Ivoirienne, une sœur Ivoirienne, et qui s'appelle Emma Loès, qui dit ceci, je cite, hein. « Ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. » Parce qu'on a toujours le choix. Ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. On a toujours le choix. Alors, ma compréhension de cette citation, ça veut dire là où les gens vous disent « faut supporter, non, tu sais, c'est la vie qui est comme ça, faut supporter. » Deux fois supporter, c'est bien. Mais si c'est supporter et puis rester malheureux, ça veut dire faire le bonheur de quelqu'un pendant ce temps, vous ne vivez plus. Et vous, vous êtes malheureux ou malheureuse dans cette situation, c'est-à-dire vous vous tuez à petit feu pour que quelqu'un d'autre brille. Alors là, je ne sais pas si ça en vaut la peine. C'est une question que je me pose. Mais elle nous incite à ne pas nous adapter à la situation de malheur. Quand on a un malheur, il faut travailler à sortir de ce malheur-là, il faut travailler à sortir de cet état d'esprit, de cet état de dépression, parce qu'il y a beaucoup qui dépriment dans certaines conditions, situations plutôt. Donc, il faut travailler à sortir de là. Il ne faut pas dire non, c'est bon, bah, c'est Dieu voulu. C'est... Non, des fois, Dieu n'a pas choisi ça pour vous. Dieu attend seulement que vous vous réveillez, que vous preniez vos propres décisions et que vous vous sortiez de cette situation qui n'est pas complaisante. Téléspectateurs, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de Sabeuse. Et Sabeuse vous réserve pas mal de surprises. Et on se dit à tout à l'heure. Donc, Jackie, voici mon bonjour. Merci beaucoup. Et j'ai une phrase magique, enfin, une phrase que j'aime dire. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas envie de dire cette phrase-là. J'attends que toi, tu reprennes tout simplement le relais. Merci beaucoup Adèle, merci pour la citation du jour, merci également pour la bonne humeur. Sandrine Konaté, pareil, Mika qui va nous rejoindre dans un court moment pour la suite de cette émission. Face aux difficultés, on nous demande d'être résilient. Oui, résilient, la résilience c'est vrai, c'est bien. Mais c'est aussi ce qui nous amène donc à apprendre, à pardonner surtout, puisse être justement bien compris par toutes et tous. Et que le Burkina Faso puisse ensemble fédérer ses intelligences et surtout inviter ses fils et ses filles qui viennent de tous les quatre coins donc, du pays à se mettre ensemble pour rechercher donc la paix pour notre pays afin que nous puissions donc évoluer et surtout contribuer donc au développement de notre nation. Aucune nation ne saura se développer sans la paix. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse tous les acteurs de la paix du Burkina Faso, que Dieu bénisse toutes ces personnes, toutes ces belles âmes qui ont compris qu'avec la paix, on peut réaliser de grandes choses. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi, positivement, que nous ouvrons les portes de cette aventure du jour vendredi sur la télévision avec un clip vidéo. C'est tout nouveau, c'est tout beau et d'ailleurs la dédicace est prévue pour demain. Demain avec l'artiste Rickson Rolex, qui d'ailleurs sera notre invité la semaine prochaine ici à la période de gelée, afin de mieux découvrir et connaître l'homme surtout sur tous les angles. Mesdames, Messieurs, mais avant, on regarde ce magnifique clip vidéo qui rend un vibrant hommage à quelqu'un, à un personnage
à une personnalité qui a marqué son temps et qui continue de marquer les esprits. Mesdames, messieurs, voici Thomas Sankara. Hommage vibrant rendu par Ericsson Rolex. Vous êtes sur la RTB, l'apéro déjeuner. Let's go. Nous sommes allés trop vite en besoin et c'est vrai qu'il y a le Warba qui s'est imposé donc, mais nous allons essayer de rattraper tout cela au cours de cette émission ou encore au cours donc des prochaines heures ou encore au prochain rendez-vous de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Mais en attendant, en tout cas, merci d'avoir pris du plaisir donc à apprécier le Warba et surtout d'avoir fait de la place dans vos différents salons pour exécuter quelques pas du Warba qui en tout cas, j'allais dire quoi, vont en parfaite alchimie avec ce que nous portons ce matin. C'est identitaire. Merci de valoriser la culture de Burkina Faso dans toute sa diversité et dans toute sa plénitude. Mesdames, messieurs, téléspectateurs fidèles, très estimés de l'apéro déjeuner, l'heure pour nous d'installer tout de suite et maintenant nos premiers donc invités sur le plateau. Il s'agit donc de M. Servas Maryse Dabo. Il est conseiller en communication, directeur des relations extérieures de la communication de l'INHEI et secrétaire général de la communauté chrétienne Nouna Dédougou à Ouagadougou et aussi l'abbé Guy Judicael Bikaba, directeur donc du petit séminaire de Tionkui, vicaire général du diocèse de Dédougou. Ils seront sur ce plateau tout de suite pour nous parler d'un rendez-vous prévu donc pour se tenir ce samedi 19 mars 2022 à 20h, temps universel. On va les accueillir par des acclamations latines. S'il vous plaît, venez avec nous, messieurs Servas et l'abbé Judicael Bikaba. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Installez-vous. On vous souhaite déjà la bienvenue sur le plateau de l'apéro déjeuner. Monsieur Dabou Servas, en tant que communicateur et ancien de la maison, on vous dit déjà bonjour. Comment vous sentez ce matin déjà? Ça va, je venais avec une mauvaise humeur, mais quand je vous ai vu déjà, ça va. Ça va? Donc la bonne humeur, c'est... Parce qu'ici, il y a la bonne humeur. C'est notre slogan. Ouais. Ici, nous apportons toujours de la bonne humeur. Exactement. Notre mission, c'est de véhiculer la bonne humeur et surtout d'apporter aussi de l'espoir donc à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Parce que, quels que soient les problèmes, la vie mérite quand même d'être saluée. Parce que tous les jours est grâce pour nous. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. L'abbé, oui.
Guy Judicaël, Dikaba, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. J'espère que vous avez béni ces instants pour nous. Absolument, et priez pour ça. On a prié, on a béni. Alors, M. Servas Marise, en tant que communicateur, qu'est-ce que vous avez ce matin sur notre plateau? Alors, nous sommes venus vous rendre visite pour porter un message à vos téléspectateurs. D'accord. Nous les invitons demain, donc dans la soirée à 20h, sur l'esplanade de l'église Jean 23. D'accord. Pour une soirée diocésaine de Dédougou. D'accord. Alors, les ressortissants chrétiens des diocèses de Nouna et de Dédougou se retrouvent normalement chaque troisième dimanche du mois. D'accord. Pour faire une célébration communautaire ensemble. D'accord. Mais cette fois, l'évêque de Dédougou a initié une activité avec donc le petit séminaire de Tionkoui. Donc, avec la collaboration ici de l'amicale des anciens de Tionkoui. Et c'est une dédicace. D'accord. D'un album et aussi une occasion de parler du premier chrétien, du tout premier chrétien, donc du diocèse de la Haute-Volta, Alfred Di Diban Kizerbo. Le tout premier chrétien. Tout premier chrétien. Donc, ce serait l'occasion pour vous de rendre hommage et puis aussi de partager l'histoire avec toutes ces personnes qui ne connaissaient pas cette histoire. Qui ne connaissent pas cet illustre chrétien. D'accord. Et non seulement on va faire la dédicace de l'album, parce que le petit séminaire dont le directeur est ici présent, ils ont, au lieu de tendre la main, bon, j'aime dire aux gens qu'en Afrique, on dit que pour laver le dos, il faut quand même apprendre à se laver la figure. Voilà, comme ça, tu demandes facilement à quelqu'un de te laver le dos. Le dos. Voilà, il a le courage. Sinon, il y en a qui préfèrent aussi laver souvent leur dos et puis inviter les gens à laver leur face. Ah, bon. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici. Ça ne sortira pas de ma bouche. D'accord, merci, monsieur. Alors, il n'y a pas de souci, on a bien reçu le message. Alors, l'abbé Guy, vous êtes directeur justement donc, du petit séminaire de Tionki, vicaire général également du diocèse. Alors, ce projet est un gros projet. C'est une façon pour vous également de mener une activité qui va générer forcément des revenus, mais des revenus qui vont servir également à la formation. À la formation de ces enfants-là qui se retrouvent donc au sein du séminaire et qui aussi ont droit à la formation. Absolument. Alors, aujourd'hui, vous êtes à quel stade, justement? L'album, il est produit. Est-ce qu'il est déjà disponible? Comment est-ce qu'on peut, justement, l'avoir? Alors, merci, n'est-ce pas? Servas avait déjà retrouvé donc cet opus au diocèse de Dédougou évidemment et aussi à la TMB ici. D'accord. Voilà. Alors on dit aussi qu'il y a plusieurs formats et des coffrets aussi qui seront disponibles. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Tout à fait. On parlait tout à l'heure de stratégie, n'est-ce pas, pour mobiliser un peu les fonds. Donc pour nous avons appris à nous laver la figure, comme disait Servas tout à l'heure. Il y a non seulement cet album, mais il y a aussi une autre interface que nous avons créée, voilà, c'est un concept, il est vrai qu'il est, il n'est pas très, très populaire, répandu. Voilà, que nous avons dénommé coffret scolarité. Coffret scolarité. Voilà, monsieur Daboul, les internats sont très lourds à porter. Sont très lourds à porter parce que vous le savez, l'enfant vit là. Il mange là, il boit là, il fait le sport là, c'est là, il casse tout, c'est là, il fait tout ce qu'il. Voilà. Un internat, particulièrement pour notre cas, c'est l'évêque donc qui prend la majeure partie donc, de ce qui est dû pour sa formation. Et c'est pourquoi nous avons dit, bon, pourquoi ne pas en appeler aux gens, à tout le grand public, pour aider ces structures qui sont des joyaux dans l'écosystème éducatif au Burkina Faso, il faut le dire quand même. Voilà, qui ont créé de grands oeufs. J'ai raté de près. Je ne sais pas pourquoi vous avez posé la question. Lui, il est protestant, mais moi, lui, oui. Ah, oui. Ah, la faillite. Moi, j'ai été à Saint-Thérèse. Et vous pouvez sauver une formation, vous pouvez